Le Stade malien, champion du Mali et médaillé de bronze de la Basketball Africa League 2023 après avoir battu l'Angolais Petro de Luanda 73-65 lors du match pour la troisième place le vendredi 26 mai à la Banque Arena de Kigali au Rwanda. Les garçons de l'entraîneur Kaba Kanté ont ouvert avec une course de 20 à 15 pour terminer le premier quart-temps. Mais Petro de Luanda a rebondi avec une victoire au deuxième quart-temps, 16-19, pour entrer à la mi-temps, 36-34. Malheureusement, quand on a 23 pertes de balles et 14 assists, je pense que c'est très difficile de compétir. Déjà, perdre contre la Espoir en demi-finale était assez dur pour nous. Jouer aujourd'hui a été assez compliqué. Mentalement, on n'a pas pu tenir le coup. Mais en même temps, je suis très fier de mes coéquipiers. Au retour des vestiaires, le champion d'Angola, Petro de Luanda, a continué de dominer le Stade malien, s'imposant 20 à 14 au troisième quart-temps. Le Stade malien n'a jamais baissé les bras, menant 54 à 50 à la fin du troisième quart-temps. Le Malien Aliou Diarra a récolté 25 points et 12 rebonds, tandis que le capitaine de l'équipe Makan Keita a contribué 8 points, remportant ainsi la médaille de bronze du tournoi. Évidemment, je suis fier de ce classement. Et dans la mesure où, comme vous l'avez dit, l'équipe est à sa première participation, avec un bilan de 16 matchs, 5 défaites et 11 victoires. On ne peut que s'en réjouir parce que l'équipe a grandi de conférence à conférence. Donc on savait que ça allait être difficile ici. Mais Dieu merci, on a été troisième d'Afrique. Pour rappel, le Stade malien s'est incliné 78-73 face à Al Ahly d'Égypte lors d'une des demi-finales de la balle mercredi. L'Angolais Petro de Luanda s'est incliné face au Sénégalais de l'AS Douane 92-86. Le Sénégal affronte Al Ahly en finale ce samedi à Kigali, capitale du Rwanda.